Même les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur comment réutiliser une dalle d'écran portable. Kit pour B17, ça, c'est derrière l'écran. Il y aura ce numéro de code là. Si c'est pas concordant les deux, ça marchera pas. Il faut obligatoirement que ce kit, il ait le même numéro de série que votre écran PC. Voilà, donc 27,56 $, ça fait 25 € environ. J'ai acheté ça tout seul aussi. Il faut bien faire attention à l'empirage. Mise au point. Il ne mettra pas la mise au point. Alors, l'ampérage. Alors, moi, c'est du 12 volts, 3 ampères. Voilà. C'est l'adaptateur. Allez, c'est parti. On va effectuer les branchements. Donc, on a cette prise-là. On branche directement la dalle. Voilà. Voilà. Ça, c'est les commandes. Ça, c'est les boutons de commande. Ça, c'est pour la télécommande infrarouge. Et celui-là, il faut le brancher avec le petit qui est là. Rien des trompeurs, on ne peut pas se tromper. Donc, c'est vers le haut. Le branchement est fait. J'ai ma télécommande. Il ne me reste plus qu'à mettre du courant. Je ne sais pas si on le voit, mais la dalle, elle est blanche. Elle ne réagit pas. Je me suis retourné vers le SAV du fournisseur et ils m'ont gentiment envoyé un mail avec un petit programme en BIN, si je dis pas de bêtises. Je l'ai mis sur ma clé USB. Je le branche. Et on recommence. Maintenant, il faut patienter. Je coupe, à tout de suite. Ils ont dit 5 minutes, j'ai laissé 10 minutes pour être sûr. Maintenant, on va brancher. Inch'Allah, bismillah, on va voir ce que ça donne. Marche pas. Arrêtez de rire, on vient vous aller apprendre une nouvelle. Là, on a branché un Raspberry dessus. On va voir ce que ça donne. Si c'est l'écran blanc, je sais pas. Presque, je sais pas. Tu voulais donner quelque chose, mais conclusion, ça marche pas. Donc, messieurs de la boutique, cette vidéo là, elle est faite aussi pour vous, pour que vous voyez que ça marche pas. Je vais vous demander le remboursement. Et si vous voulez pas, ça fait rien. Moi, la mauvaise pub, je vais vous en faire dans mes vidéos tout le temps. Voilà. Parce que ça marche pas. Je vous ai montré par avec les preuves, avec votre le logiciel que vous m'avez fourni, ça marche pas du tout. Bon, peut-être que c'est tombé que sur moi. Peut-être que d'autres auront la réussite. Je ne sais pas. Allahu a'lam. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.